Bonjour à tous et quelle fierté pour commencer. Très grande fierté de voir enfin le sport arriver à l'UNESCO comme un patrimoine culturel à préserver. C'est la première année depuis 2005 et l'Université de la Terre que le sport est enfin pris à sa juste considération, le sport d'impact social et environnemental. Tout un symbole. Donc merci déjà à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence qu'on a intitulée modestement pour un sport qui change le monde, rien que ça. Mais c'est sincère. Et puis, c'est aussi un acte un peu militant. Tous ceux qui sont là dans la salle, finalement, ne sont pas devant le match de l'équipe de France ce soir. Voilà, cette Coupe du Monde qui est décriée, cette Coupe du Monde qui, parfois, reflète un peu les maux de notre société. Voilà, donc merci à tous d'être présents et bonne conférence à tous. Avant de laisser la parole aux invités, moi je vais me présenter rapidement, donc François Singer. J'ai 33 ans et j'incarne aussi cette génération qui souhaite remettre les sujets d'impact socio-environnementaux au cœur du sport. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le sport a plus que jamais un impact transformateur pour la société, transformateur pour les modèles économiques. Et on va vous partager des études, on va vous partager des témoignages qui reflèteront cela. Je fais partie d'une entreprise qui s'appelle 17 Sports. Le chiffre 17, et je pense que certains d'entre vous sont familiers avec ce chiffre, fait référence aux 17 ODD, aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Et notre objectif à nous, véritablement, c'est d'intégrer des stratégies d'impact social et environnemental dans le sport, mais pas que, de venir aussi aider les organisations, les fédés, les clubs, à exprimer leur raison d'être et répondre à leurs objectifs d'impact social et environnemental. Ça, c'est notre mission. On est Bicorp. Et je pense que c'est aussi la mission de tous les acteurs du sport aujourd'hui et de demain, d'œuvrer pour le bien commun et d'intégrer l'impact au cœur de leurs sujets et de leur développement. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous puissiez même d'ores et déjà applaudir nos deux panélistes qui seront là pour le premier panel en lien avec l'impact environnemental, Arnaud Assoumani et Johan Penel. Alors, je vais commencer avec toi, Johan. Tu es le président de la Fédération française de badminton. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et est-ce que tu peux aussi nous dire quel est, selon toi, le rôle de la Fédération de badminton sur ces sujets de société ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je représente aujourd'hui la Fédération française de badminton, qui est une fédération olympique et paralympique, qui est une fédération agréée et délégataire d'une mission de service public. La réponse à ta question, François, elle sera différente peut-être dans un an, puisqu'aujourd'hui, dans cette grande dynamique de se poser la question de l'utilité du sport dans la société, on veut vraiment rénover l'image de notre fédération et une question simple, qui est la question de notre raison d'être, comme tu l'exprimais. Donc aujourd'hui, les missions d'une fédération, c'est promouvoir une discipline sportive, accompagner toutes les associations qui proposent cette discipline-là, et puis accompagner les athlètes de haut niveau pour représenter la France sur la scène internationale et permettre à ce pays de glaner le plus de médailles possible. Donc ça, c'est nos missions aujourd'hui, actuellement, qui nous sont confiées par l'État. Dans un an, on aura réformé nos statuts, et en particulier cet article 2, celui qui pose la question de l'objet social d'une association, c'est ce qui va être au cœur de notre réflexion tout au long de l'année. Pour répondre à deux questions qui sont principales, la première, c'est dans quel monde on a envie de vivre demain. Et ça ne concerne pas le sport, c'est vraiment les rêves qui vous habitent, et vraiment de se poser la question de ce monde idéal que vous auriez envie de connaître, de construire et dans lequel vous aimeriez vivre. Donc c'est vraiment des questions de savoir si vous préférez vivre dans une société universaliste ou multiculturaliste, si vous voulez vivre dans une société du jeu ou du nous, si vous voulez vivre dans une société de la propriété ou une société de l'usage. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui nous permettent, nous, d'avancer. Et la deuxième question à laquelle on souhaite répondre, c'est à quoi sert le sport ? On a tous dans nos têtes une représentation de ce que peut être le sport. Et si on demande aux 70 millions de Français, on vous dit sport, vous pensez à quoi tout de suite ? Ce qui va sortir, c'est peut-être pas les actions merveilleuses qui sont portées aujourd'hui dans les associations, auprès de différentes populations,
jeunes ou moins jeunes, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont placées sous main de justice, des personnes qui sont dans le monde de l'entreprise et qui aimeraient vivre mieux leur quotidien, etc., etc. Donc, répondre à ces deux questions-là, qui sont fondamentales, nous permet ensuite de poser notre raison d'être et de nous demander, ben voilà, la Fédération française de badminton, elle sert à quoi dans la société française du XXIe siècle? Et comment est-ce qu'on va révolutionner, réinventer nos pratiques pour juste répondre à ces enjeux-là? Donc en particulier sur la question environnementale, nous, on est un sport qui se pratique avec un projectile, qui est un volant, qui est soit un volant en plastique, donc évidemment le plastique, il faut bien le produire, soit des volants en plume d'oie véritable. Ce qui pose à la fois la question de, du bien-être animal, et puis la question de la durabilité, puisque un volant en plume à très haut niveau, il peut durer 3 à 4 minutes. Et après, on change. Donc évidemment, cette question-là, elle est primordiale. Après, il y a la question de la mobilité, puisque dans notre compétition phare, qui sont les Internationaux de France de badminton, qui se déroulent tous les ans, le bilan carbone qu'on avait fait en 2015 montre que 98% de notre impact carbone vient des mobilités. Donc à la fois des athlètes qui viennent des quatre coins du monde et des spectateurs qui viennent des quatre coins de la France. Donc ça veut dire qu'il faut, dans le même temps que nous, on travaille sur les 2% qui restent, et en même temps qu'on cherche à changer les mentalités sur les 98% principaux. Donc comment on vient assister, comment on vient vivre une expérience sur une grande compétition internationale. Donc ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on s'est saisi de cette question-là et d'essayer de changer pas après pas la mentalité des pratiquants du badminton. Donc on a lancé la première formation sur l'organisation de manifestations éco-responsables de badminton. On a lancé une labellisation pour valoriser auprès des collectivités les clubs qui s'emparent de cette question-là dans l'organisation de leur compétition. Et puis après, évidemment, on ne pouvait pas attendre de nos membres des choses qu'on ne faisait pas nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on fait nos Internationaux de France la vitrine de toute notre ambition au service de la société. Donc nos Internationaux de France, on a été parmi les premiers signataires de la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports et de WWF. Dans le même temps, on est labellisé Agenda 21 par le mouvement olympique et sportif français. Et puis on essaie chaque année d'innover un petit peu plus, que ce soit sur le devenir de nos déchets, que ce soit sur le devenir de toute l'alimentation sur cette compétition-là, que ce soit sur la gestion humaine, parce qu'évidemment, ces internationaux, c'est 2 millions d'euros de budget, c'est 250 millions de foyers touchés dans le monde, mais c'est aussi 160 bénévoles qui passent 10 jours sur site, avec des horaires qui sont importants, pour faire vivre aux gens ce que vous avez forcément en tête quand on parle du sport, c'est-à-dire les grands événements. Et donc ce spectacle-là, eh bien, il faut de la ressource humaine, mais il faut bien la traiter, et il faut qu'elle se sente faire partie d'un tout. Parce qu'au bout de 12 ans d'action éco-responsable, on a fait un sondage dans notre communauté, la majorité de nos licenciés ne savaient même pas que la fédération était pionnière sur le champ de l'éco-responsabilité. Donc si on fait des actions et qu'on ne les fait pas connaître, on ne fait pas changer les mentalités. Donc tout ça, c'est des petites briques qu'on pose les unes après les autres. Il y a eu des petites briques qui ont finalement été plus porteuses. Par exemple, on a fait un autocollant stop pub avec la mascotte de la fédération. Et alors ça, c'est parti comme des petits pains. Parce que c'était du concret et les gens étaient fiers de mettre sur leur boîte aux lettres un autocollant stop pub FF Bad. Et puis on a fait des grands concours sur le World Cleanup Day, c'est-à-dire venir ramasser tous les déchets qu'il pouvait y avoir dans la nature, tout autour des lieux de pratique, autour des gymnases, autour des mairies, etc. Et puis voilà, donc petit à petit, c'est essayer de faire prendre conscience aux gens que d'un côté, il faudrait que le sport arrête de faire partie du problème et fasse partie de la solution. Et dans le même temps, et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant, c'est il faudrait que quand vous pensez au mot sport, vous pensiez au mot jeu. Et par le côté ludique des pratiques,
on arrive à faire passer beaucoup plus de choses que dans un cadre très rigoriste qui ne vend pas forcément du rêve. Donc c'était notre choix aussi et notre volonté de vraiment passer d'un développement durable qui était mal vécu, mal perçu, quelque chose qui était une injonction qui venait d'en haut, à une notion qui s'appelle la performance sociale du badminton. Et on va justement en parler après. Merci. Merci Johan. Michael Rémiaz, aussi athlète paralympique, disait justement, être athlète, ce n'est pas seulement frapper dans une balle et porter un drapeau, c'est porter et défendre un ensemble de valeurs et d'engagements. On a avec nous aujourd'hui un champion paralympique, champion du monde, athlète engagé, ambassadeur de Paris 2024, entrepreneur, etc., etc. Arnaud, bonjour. J'ai une question, Arnaud. Comment tu fais pour avoir toutes ces activités aujourd'hui ? Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici avec vous. Et ravi, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, que le sport puisse être mis au centre et comme un moyen d'action par rapport aux problématiques complexes de notre époque. Comment je fais ? Alors, c'est marrant quand je regardais Athlète Engagé, parce que c'est vrai que c'est une partie, enfin, une manière dont je peux me présenter. C'est très bizarre parce qu'on nous présente souvent avec les médailles, avec le palmarès. Ça apporte une espèce de crédibilité à ce qu'on va vous dire. Donc, peut-être si on énonçait toutes les médailles, j'aurais peut-être une plus grande crédibilité, ou peut-être pas du tout. Mais Athlète Engagé, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout le monde est engagé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les entreprises qu'on voit à la télé ou un petit peu partout, on dit tout le monde est engagé. Bon, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème alors si tout le monde est engagé. Bref. Alors que justement, ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de problèmes. Donc je suis athlète. Je me prépare pour mes 6e Jeux paralympiques pour Paris 2024. Après, j'arrête. Je suis sauteur en longueur. Et en parallèle de ça, je suis engagé auprès d'associations depuis près de 20 ans, à divers niveaux. Alors notamment parce que je suis né avec trois handicaps, deux invisibles et un invisible. Donc celui visible, c'est la agénésie de l'avant-bras gauche que vous voyez, donc c'est une malformation de naissance. Donc voilà, je porte une belle prothèse. Et si vous la voyez pas parce que je suis assis, mais une autre prothèse faite par un designer qui s'appelle Dimitri Linka. Et donc le travail avec les associations, c'est réellement de comment avec le sport, on peut utiliser justement le sport comme moyen d'éducation pour travailler sur des valeurs, pour casser des stéréotypes, pour changer les mentalités, changer le paradigme. Et également, une de mes autres missions est d'humaniser le handicap, d'humaniser la différence de manière générale, les étiquettes qu'on peut nous accoler. Et une notion très importante pour moi qui est que ce ne sont pas les personnes, les individus qui sont inadaptés à la société, mais c'est bien la société qui est inadaptée à elle. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et ensuite, je suis effectivement ambassadeur, comme d'autres athlètes. Hein. Enfin, c'est un titre pas vraiment honorifique, c'est dans les différentes casquettes. Sur Génération 2024, donc, tout ce qui est éducation par le sport, encore une fois, c'est fondamental. Sur l'environnement et sur toutes les notions d'impact et d'héritage. Paris 2024, donc il y a un fonds de dotation, impact et héritage. Il y a deux missions. Donc la mission première, vous la connaissez, pour n'importe quel comité d'organisation, que ce soit pour du football ou des Jeux olympiques ou paralympiques, c'est de livrer des Jeux, un spectacle extraordinaire, faire rêver, mais également de laisser un héritage. Et ça, c'est la première fois de l'histoire, au final, qu'on a un comité d'organisation, un pays qui s'attelle à cette tâche, ce qui semble hallucinant, en fait, quand on y pense, de se dire qu'avant, on n'avait pas forcément des personnes et des équipes qui investissaient du temps et de l'argent pour laisser un héritage. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, effectivement, que ce soit en termes d'accessibilité au sport, pour tous et pour toutes, donc quelle que soit votre situation, handicap, que vous soyez dans des milieux ruraux ou dans des quartiers. Ça va être également avec un cahier des charges sur l'environnement, avec toutes les contraintes et les modèles qui doivent évoluer. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus après au niveau de l'écologie. Et le sport doit jouer sa part. Et le sport est un outil qui est trop, enfin, incroyablement peu utilisé. Vraiment trop peu utilisé. On voit le sport effectivement plus comme un divertissement, comme un spectacle. Bien évidemment, le sport à l'école, on sait que c'est hyper important, on sait que c'est important pour le lien social. Mais au-delà de ça, en termes de pédagogie, en termes
d'impact, mais de pouvoir mémoriser, j'ai envie de dire, les bonnes informations, d'avoir les bonnes habitudes. C'est un outil pédagogique formidable, en fait, tout simplement. Et donc, on pourra, je ne sais pas si on en parlera après, mais tu parlais du ludique, Johan. Ludique, c'est essentiel. Des moments de plaisir pour prendre conscience et pour changer les mentalités et, du coup, derrière, pouvoir changer nos habitudes, c'est aussi fondamental. On le voit cet été avec les feux, la sécheresse, tout ce qui s'est passé au niveau des catastrophes climatiques. Il y a une prise de conscience par des événements négatifs, enfin. Mais il y a aussi des moments positifs qui peuvent s'inscrire et nous permettre d'avoir aussi ces changements-là. Je pense que c'est un peu plus agréable si on vit des moments positifs qui vont permettre une mémorisation, une émotion positive en lien avec quelque chose de plutôt vertueux et plus pérenne dans la manière dont on pourra se vivre dans le futur. Et je prends simplement comme exemple, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient présents le 8 octobre à Place de la Bastille, mais c'était une journée historique, puisque pour la première fois de l'histoire, il y a eu une journée paralympique. Tous les ans, il y a une journée olympique dans le monde entier. Vous prenez donc les valeurs représentées par le mouvement olympique. Mais pour la journée paralympique, il n'y avait pas de journée paralympique jusqu'à maintenant. Et donc pour la première fois, voilà, cette journée a eu lieu, il y a eu un peu plus de 30 000 personnes qui ont été présentes, des enfants, des familles, vraiment toutes les générations, une diversité assez incroyable, une sensation de fraternité, de liberté et de bonheur assez simple en fait, et bon enfant que j'avais peu vécu en France. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était pour les Jeux paralympiques de Londres en 2012, où pour la première fois de l'histoire, vous avez eu plus de spectateurs, plus d'affluence pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques. Donc j'ai ressenti voilà, quelque chose d'extrêmement positif. Et en fait, sur cette journée, lorsque vous regardiez les regards des enfants, le regard des personnes qui étaient présentes, parce qu'il y avait des performances, vous pouviez essayer les sports également, mais il y avait des performances. Et il y a par exemple Marcus Reim qui fait du saut longueur, qui saute avec une lame, c'est sa prothèse, c'est une prothèse propulsive. Et quand vous voyez le regard de toutes ces personnes-là, mes nièces étaient présentes également, mais vous savez qu'en fait cette journée elle va avoir un impact pour leur vie future, à la manière dont elles vont interagir avec d'autres personnes qui sont différentes d'elles-mêmes. Et pour moi c'est fondamental. Donc que ce soit sur le sujet du handicap, que ce soit sur d'autres sujets qui peuvent être victimes ou étiquettes qui peuvent être victimes de discrimination ou l'environnement, on peut avoir toutes ces actions et ces moments-là, je pense que le sport, la culture. Alors, moi, j'inclus le sport dans la culture, hein, mais ça ne va pas forcément plaire à certains. Mais en tout cas, le sport pour moi, le sport est un moyen justement qu'il faut utiliser et utiliser plus. Et ensuite, pour répondre à ta question, comment je fais pour. Enfin, j'ai différentes casquettes. La passion et peu de sommeil parfois. Et puis non, mais je pense des choses fondamentales lorsqu'on on a vraiment, on sent qu'on peut avoir un rôle, une responsabilité. En tant qu'athlète, alors c'est dur en tant qu'athlète paralympique réellement, mais réellement quand vous voyez l'impact que vous pouvez générer, moi c'est encore une fois cette prothèse que vous voyez, c'est ouais, bon, je suis un peu fatigué. C'est, Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. T'as un impact. C'est un outil d'ouverture au dialogue. Et avec les enfants, parce que eux, ce sont de vraies éponges. Et lorsque vous allez dans les écoles, les stéréotypes qu'ils peuvent avoir viennent pas des enfants directement, hein, c'est plutôt les nôtres. Et donc en fait, vous voyez, en 30 secondes. Ils posent toutes les questions qu'ils veulent et puis c'est terminé, on passe à un autre sujet. Et donc ça, vous pouvez le multiplier par toutes les rencontres qu'ils vont avoir. Bien évidemment, ça nous aide à nous agrandir et à pouvoir nous définir aussi et à comprendre aussi les problématiques de notre époque. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais on poursuit. Merci. Merci Arnaud. Et on le constate, de toute façon, le sport a de plus en plus d'impact. C'est quand même notre rôle à tous de le remettre au cœur des sujets de transformation sociétale. Et je trouve, et on trouve, et vous aurez aussi le commentaire d'autres panélistes tout à l'heure, que le sport mériterait d'avoir une place encore un peu plus grande dans notre société, au vu de l'impact qu'il génère. Johan, je sais que dans ta fédération, tu as monté une fondation, Impact Gagnant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors effectivement, donc cette fondation Impact Gagnant, c'est la fondation de la performance sociale du sport, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut financer aujourd'hui le sport autrement. On a parlé du fonds de dotation Impact 2024. Là, nous, notre fondation Impact Gagnant, donc elle a 4 piliers, les dimensions éducation, santé, éco-responsabilité et inclusion. Donc derrière chacune de ces notions, c'est vraiment comment on réinvente notre sport en fonction de ces enjeux-là. Parce que le badminton, il joue de 5 ans à 90 ans, mais évidemment, selon qu'on a en face de nous des jeunes de 5 ans, des personnes âgées de 90 ans, des chercheurs d'emploi, quand on est à l'hôpital, en prison, dans un institut médico-éducatif ou quand on est dans un gymnase, c'est le même sport, mais ce n'est pas la même pratique. Et c'est cette force-là qu'on veut vraiment soutenir et d'arriver à mettre en relation des clubs qui veulent sortir du cadre habituel de « j'ai des bons gamins, je les fais détecter et puis je les fais monter le plus haut possible et ça sera peut-être le champion de France, le champion du monde, le champion olympique ou paralympique de demain ». Aujourd'hui, à la Fédération de badminton, 2/3 des licenciés n'ont jamais fait une compétition de leur vie. Donc ça veut bien dire que la première caractéristique du badminton, c'est ce côté ludique et c'est l'impression que ça a laissé à tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont tapé dans un volant. Donc c'est pour ça qu'il y a des clubs qui ont envie de se servir du sport sur de l'insertion professionnelle de jeunes dans les quartiers, de la réinsertion sociale de personnes qui sortent de prison, de l'insertion de personnes réfugiées qui arrivent sur le sol français et dont le premier contact, ça va être de jouer avec un volant et une raquette. Et justement, toutes ces actions-là, si on veut s'en servir pour faire changer le regard des Français sur le sport et de se rendre compte que oui, ça peut servir à plein d'autres choses que de faire vivre des émotions ensemble à travers les grandes compétitions, ben, il faut des moyens. Impact 2024, c'est le premier fonds de dotation qui finance autre chose que la performance sportive. Donc nous, notre fondation Impact Gagnant, on veut à la fois financer ces projets-là en mettant en relation les clubs porteurs de projets Impact et des mécènes, mais on veut aussi évaluer ces actions-là. Parce que compter des médailles, c'est facile. Mesurer le bonheur des gens, c'est beaucoup plus difficile. Donc on va travailler avec l'ESSEC pendant 4 ans, avec la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social. Ils ne viennent pas du monde du sport, ils viennent vraiment du monde de l'intérêt général. Et ils vont nous accompagner justement dans la mesure d'impact sociétal de ces projets-là. Et puis la troisième étape qui sera portée par cette fondation, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire recenser des bonnes pratiques, c'est bien, ça on sait bien le faire, mais aujourd'hui, les Français considèrent toujours le sport comme un divertissement. Donc si au-delà des Jeux de 2024, les gens se disent « Ah, bah, le sport, maintenant je sais ce que c'est, je sais tout ce qu'on peut faire avec », ça ne deviendra réalité que si toutes les actions qu'on va financer, vous en aurez connaissance. Alors évidemment, je pense que dans la salle, on est déjà tous convaincus, donc on prêche des convertis, mais surtout, parlez-en autour de vous. La victoire, ça sera d'aller chercher tous ceux qui, aujourd'hui, ne croient pas au sport. Et ça, il n'y a rien de tel que des actions fortes, des actions concrètes, et l'influence dans un parcours de vie que peut avoir l'entrée à un moment ou à un autre dans une association sportive. Et donc là, on est vraiment sur la notion d'impact sur la vie des populations et sur la vie des territoires. Et il n'y a rien de plus concret, nous, dans le badminton spécifiquement, que nos volants, dont je parlais tout à l'heure. Donc en France, à peu près chaque année, c'est 5,5 millions de volants qui sont consommés et qui finissaient, alors c'est d'abord en compétition, puis quand ils sont un peu abîmés à l'entraînement, et puis quand ils commencent à être vraiment très très abîmés, on le donne aux enfants, et puis après, ils finissent à la poubelle. Il n'y avait pas de filière de recyclage. Donc il y a une start-up qui s'est montée en Pays de la Loire, qui s'appelle Compo Plume, et qui est le premier projet qui est financé par la Fondation. Ils prennent tous ces volants-là, et ils les broient pour faire des tables. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour, toutes les tables de cet amphithéâtre, ici à l'UNESCO, seront peut-être issues du recyclage. Alors là, on parle de volants de badminton, mais ça sera peut-être d'autres consommables sportifs.
Sauf que cette start-up, elle a été créée en 2020, donc évidemment 2020, ce n'est pas une bonne date dans nos esprits, ce n'était pas le bon moment pour se lancer, ils ont courbé les chines, ils ont survécu, mais ils ont un problème de collecte. Donc nous, on va équiper la totalité des clubs de badminton en France, il y en a 2000 qui sont affiliés à la fédération, mais aussi tous les pôles espoirs, les pôles France, parce qu'il faut que les athlètes se rendent bien compte qu'ils consomment beaucoup de volants et qu'il doit y avoir une deuxième vie. On va ensuite assurer l'acheminement vers Nantes, et puis on va leur donner des moyens supplémentaires pour passer à l'échelle, qu'il y ait plus de salariés et qu'ils puissent fournir plus de tables, plus de meubles de manière générale. Et puis on va les financer aussi pour qu'ils nous trouvent une filière de recyclage sur l'ensemble des consommables. Parce qu'il y a des volants en plastique, aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire. Il y a tous les cordages des raquettes. Il y a les raquettes une fois qu'elles sont cassées. Il y a tous les textiles. Voilà, notre but, c'est que 100% des consommables du badminton, demain, trouvent une deuxième vie. Et on raconte une belle histoire parce que, au siège de la fédération, à Saint-Ouen, dans le 93, demain, toutes les salles de réunion seront équipées avec des produits issus de Compo Plume. Donc après avoir vécu sur des terrains, eh bien, ces volants trouvent une deuxième vie au siège de la fédération. Et c'est important parce que des consommables dans le sport, il y en a plein. Donc il y a tout le champ des recycleries sportives qui se sont lancées ces dernières années. Et c'est important, voilà, il y en a qui ont des porte-manteaux faits à partir de vieux skis. Et voilà. Et c'était évidemment pas l'idée première quand le fabricant de skis s'est lancé. Donc tout ce qui est fait en France, c'est une obligation aujourd'hui à travers la loi sur la filière REP. Mais évidemment, nos volants, ils sont produits en Chine. Donc c'est à nous de trouver les solutions et d'amener toute la communauté sportive dans ce champ-là. Merci Johan. On constate en tout cas l'impact de la fédération. Je ne sais pas si vous avez vu une des dernières études du MIT qui a été publiée et qui montre le rôle de l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète aujourd'hui est plus suivi que le politique. Il est plus suivi que le chanteur. Il est plus suivi que l'influenceur. C'est l'athlète qui influence le plus notre société. Or, l'athlète ne prend pas encore assez la parole sur ces sujets de transformation sociétale. Moi, Arnaud, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une pression forcément aussi des instances? Est-ce que c'est compliqué à la fois de mener une vie d'athlète et une vie de citoyen engagé, quand on sait qu'on a parfois des compétitions à l'autre bout du monde, des calendriers qui s'accentuent, etc., etc. Comment tu arrives à concilier les deux et comment faire pour que l'athlète puisse de nouveau prendre parole, sachant qu'il est plus que jamais écouté aujourd'hui? Question difficile. Oui, il y a plusieurs questions dans la question. Alors déjà, tu ne vois pas parce que c'est un couteau invisible, mais j'ai un couteau ici, juste là. Donc il y a un moyen de il y a de la pression. Non, pour être plus sérieux. Alors, l'athlète, effectivement, mais comme nous toutes et tous, nous sommes victimes d'une dissonance cognitive assez importante. Alors il y en a certains qui comprennent les enjeux. Je pense que la plupart ne comprennent pas forcément les enjeux. Et il n'y a pas de problème en soi par rapport à ça. Il faut pouvoir justement former, sensibiliser. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire pour comprendre un problème et avant de pouvoir agir, justement, il faut d'abord comprendre le problème. Donc la sensibilisation, c'est essentiel. Et ensuite, on a des athlètes qui sont engagés. Généralement, les athlètes qui sont engagés, c'est pas forcément les athlètes les plus suivis ou les plus médiatisés. Pour diverses raisons, là, je pense que ce serait bien trop complexe et trop long de rentrer dans le pourquoi. Ensuite, effectivement, sur les sportifs, j'allais dire et sportives, je pense que c'est quand même beaucoup plus des sportifs qui ont une influence plus importante, tout simplement parce que c'est vraiment des sports comme le football, la NBA, la NFL, des personnes, le cricket aussi pour dans d'autres pays, qui ont des millions de personnes, ou des dizaines, voire des centaines de millions qui les suivent. Et au final, effectivement, tout ce que ces personnes peuvent dire, donc vous avez les femmes aussi, je pense au tennis, mais au final, il y a assez peu de sports quand même où vous allez avoir les mêmes échelles d'audience. Et chaque parole, chaque acte, que les sportifs et sportives le veuillent ou non, on est regardé, on a une responsabilité. Et donc à partir de ce moment-là, ça fait partie de notre métier aussi. Même si effectivement, je pense que
pour les footballeurs qui ont des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui les suivent, ils ne sont pas dit au départ, je vais jouer au ballon, puis je vais être plus influent qu'un homme ou une femme politique. Sauf que c'est la réalité. Donc effectivement, quand Kylian Mbappé va faire des choses ultra positives avec des associations et plus engagées que la plupart des footballeurs peut-être avant, enfin, ça, en tout cas c'est mon avis, avec quelqu'un d'assez jeune et cette notoriété, donc un aspect hyper positif d'un point de vue social, et que lorsque un journaliste lui pose une question sur une question qui est assez sérieuse, après on peut comprendre toutes les problématiques de logistique, à prendre le train lorsqu'on est un des plus grands clubs, enfin, en tout cas suivi par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Seulement lorsqu'il va rigoler, en fait, ça c'est catastrophique. Hein. Moi, je trouve ça catastrophique au final pour les jeunes. Le char à voile, toi, tu... Le chat. Mais alors, outre la blague, ça peut être super intéressant. Est-ce qu'on pourrait se déplacer en char à voile sur... Non, mais bon, c'est une autre question. Au-delà, ouais, bon, faut attendre qu'il y ait du vent, mais bon. Donc ça, c'est une responsabilité qui est quand même super importante. Donc pourquoi les athlètes ne le font pas forcément? Je pense qu'il y a diverses raisons. Il y a des raisons également de business, hein, tout simplement, parce que certains ou certaines peuvent avoir peur de prendre la parole. Mais je pense qu'il y a un manque de courage. Alors moi, je supporte l'équipe de France, mais je ne regarde pas la Coupe du Monde. Je suis très déçu des prises de parole de la plupart des footballeurs. Je salue le courage, par exemple, des Iraniens qui prennent des vrais risques et qui ne chantent pas leur hymne, que les Allemands aient un geste également. Le sport, alors c'est vrai que c'est Michael aussi Jérémias qui a fait un post là il n'y a pas longtemps, où il parle, il dit que le sport a toujours été politique. C'est vrai qu'on a les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques se veulent à politique, mais au final ça a toujours été politique. J'ai eu la chance de rencontrer Bob Beamon il n'y a pas très longtemps, qui est le recordman toujours olympique en son longueur, un peu plus de 53 ans après les Jeux de Mexico. La veille de son concours, il y avait eu le 200 mètres avec John Carlos et Tommy Smith. Et donc, vous vous en rappelez sûrement de cette image avec des gants noirs représentant soutenant des Black Panthers, donc contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et ils se sont fait donc virer à vie au niveau olympique, sauf que cette image est restée. Et ça a contribué dans ce combat-là, en tout cas, aux États-Unis, et certainement à travers le monde. Donc, nos rôles sont essentiels, effectivement. Et on a besoin de tout le monde, mais les athlètes, on ne doit pas négliger. En fait, je vais quand même mettre une parenthèse par rapport à ça, parce que à la base, c'est effectivement pas ce qu'on, c'est pas notre métier. On s'entraîne pour faire des performances dans notre sport. C'est souvent lié à un rêve pour beaucoup, lié à l'enfance. Donc, on est dans cette poursuite. Moi, je joue toujours dans les châteaux de sable à 37 ans. C'est quand même, enfin, faut se dire, mais il faut rester enfant. C'est important. Et ensuite, en fait, la responsabilité, elle vient aussi des fédérations, des clubs, des managers, des entreprises avec lesquelles elles peuvent travailler aussi pour les former, pour leur donner les informations, pour leur donner les compétences. Je salue Sciences Po qui est ici, une école dont j'ai eu la chance de passer pour la première promotion d'ailleurs, qui était pour les sportifs et sportives de haut niveau. Il y a d'autres écoles, on parlait de l'ESSEC aussi. Donc c'est de pouvoir ouvrir et de pouvoir former, en fait, tout simplement. On ne peut pas non plus demander, même s'il y a une responsabilité, demander des choses incroyables à des sportifs et des sportives lorsqu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de le faire, parce que c'est une pression aussi de répondre à des journalistes ou d'être devant vous comme ça et de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui sont de société qui sont essentiels. Ok, super, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi, Johan. On parle parfois de la liberté d'expression, de la liberté de parole. Toi, tu es une fédération nationale, tu as tes convictions aussi en tant que président, et on a parfois des gouvernances ou des fédérations internationales qui peuvent peut-être agir à l'encontre de certains principes de fédération nationale, avec des sponsors par exemple, des partenaires qui ne sont pas éco-responsables ou qui n'œuvrent pas pour le bien commun, ce qui peut être le cas pour la fédération de badminton internationale. Comment toi tu fais pour finalement avoir une liberté de parole, une liberté d'action? Alors aujourd'hui, effectivement, on en revient à la question de la raison d'être de ces organismes internationaux et à leur modèle économique.
Aujourd'hui, si je prends la Fédération internationale de badminton, son modèle économique, c'est les revenus des compétitions internationales et des droits audiovisuels. Donc évidemment, eux, leur intérêt pour continuer de vivre sur ce modèle-là, c'est qu'il y ait de plus en plus de compétitions, qu'on parle de plus en plus du badminton et de vendre les droits de plus en plus élevés. Et dans le même temps, aujourd'hui, envoyer des athlètes aux quatre coins du monde pour perdre au premier tour, ça interpelle. Et dans le même temps, on est à 2 ans d'une compétition où toute la lumière médiatique va être sur les Jeux de Paris 2024, olympiques et paralympiques. Donc nous, on a une pression d'arriver à faire performer nos athlètes le plus possible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient qualifiés. Pour être qualifiés, il faut qu'ils aient des points. Donc il faut qu'ils réussissent la période de qualification olympique. Mais donc dès maintenant, il faut qu'ils fassent le plus de compétitions pour être bien placés au moment où la qualif olympique va débuter. Donc c'est le serpent qui se mord la queue et c'est un cercle vicieux. Et dans le même temps, nous, on veut être cohérents. C'est-à-dire que je ne peux pas prôner le recyclage des volants en France et dans le même temps augmenter le nombre de déplacements des équipes de France à l'international. Et c'est ça la grande épreuve qu'on a face à nous. C'est le défi de la cohérence. Parce qu'il suffit d'une prise de parole, il suffit d'un acte manqué pour décrédibiliser la totalité de la démarche. Et il y a des gens qui n'attendent que ça. C'est que ce discours-là qui est dissonant, parce que le récit majoritaire jusqu'ici, ça a été sport égale compétition. Ça fait 60 ans que le modèle sportif est construit là-dessus. Donc là, on parle un autre langage, on essaie d'écrire un autre récit. Donc il y a plein d'acteurs qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on échoue. Qu'on échoue dans tous les moyens qu'on a mis. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a un partenaire majeur qui est un partenaire matériel à la Fédération de badminton. Et ça fait des années, avant d'être président, j'étais responsable de la commission développement durable et citoyenneté. Et ça faisait des années que j'essayais de leur dire, pensez au devenir des volants, pensez, voilà. Et ça, il n'y avait pas d'écho chez eux. Et là, le projet Compo Plume, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait des petites étoiles dans leurs yeux. Donc ça veut dire que si on n'a pas réussi, par le biais institutionnel dans notre fédération internationale, à faire changer les choses, peut-être que ça va venir du monde économique, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas parce qu'on est une association qu'on ne doit pas avoir un modèle économique et une viabilité économique. Donc si demain, ce sont les partenaires économiques qui font changer la vision stratégique de l'organisme international, bah, finalement, on aura quand même gagné par des moyens détournés, tout en restant présent dans ces organismes internationaux et en leur montrant concrètement ce qu'on peut faire. Voilà, le secteur développement de la BWF peut-être va s'intéresser à tout ça et se dire il faut qu'on fasse pareil. Donc c'est planter des petites graines en permanence et parfois par des moyens détournés. Merci Yoann. J'aimerais aborder aussi un point en lien avec l'athlète, c'est la performance. On dit que, et même vous hein, en tant que citoyen, on dit que quand on porte un sujet, on est habité, on y met de l'entrain. On dit aussi que certains athlètes, des études démontrent que certains athlètes, quand ils sont engagés sur un sujet de société, ils sont meilleurs sur le terrain. C'est-à-dire que non seulement ils sont performants pour leur sport, mais ils œuvrent pour quelque chose qui leur est supérieur. Un athlète, Nicolas Mahut dans le tennis par exemple, qui travaille sur les sujets des violences faites aux femmes. Lénaïque Corson, qui travaille, une joueuse de l'équipe de France de rugby, qui travaille sur des notions d'écologie. J'aimerais savoir justement toi Arnaud, quand tu portes ces sujets de société, est-ce que ça te donne la niaque, quelque chose qui te dépasse, qui est supérieur au sport finalement? Oui, fondamentalement. C'est sûr que ça apporte. C'est un sens bien plus important que bah, simplement notre vie d'athlète et de performeur. Alors, pour moi, si je continue ma carrière aujourd'hui, c'est clairement pas pour le rêve d'enfant, même s'il est un petit peu toujours là, mais c'est parce que je me dis que si les messages que je porte, les valeurs que je porte, et au final, qu'on ait beaucoup à partager dans le monde du sport et de manière plus générale, mais c'est un moyen formidable de pouvoir agir. Et donc, ce serait plus qu'un regret, ce serait une douleur de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir s'engager. Après, est-ce que je vais être plus performant en étant engagé?
Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que ça m'apporte de la motivation? Oui, et certainement la meilleure motivation qui soit, parce que le sens est profond et effectivement, c'est dans les tripes, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien plus important que tout. Et du coup, j'ai envie de gagner quelque part. Gagner ne m'intéresse pas tellement, enfin d'être meilleur que les autres, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. De progresser, par contre, ça m'a toujours intéressé. D'être un peu meilleur, mais meilleur, enfin, on peut mettre plein de choses derrière ça. On peut être meilleur en détruisant les autres. On peut être meilleur en étant avec les autres. Et juste pour revenir, petite parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur d'autres types de jeux aussi, c'est le jeu et le sport coopératif. Soit on perd tous ensemble, soit on gagne tous et toutes ensemble également. Et alors là, pour le coup, on est moins dans la compétition et dans l'opposition, mais c'est quelque chose qui est pas tellement exploré encore, que des associations comme Play International utilisent dans des kits pédagogiques pour travailler avec des enfants. Et ça fonctionne très très bien. J'oublie ce que je voulais dire par rapport à ça, mais effectivement, je reviens simplement sur ce que tu disais tout à l'heure et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Johan, également, sur la dissonance cognitive, encore une fois, et le paradoxe entre on est athlète, on a des compétitions nationales et internationales, donc effectivement, on doit prendre l'avion, par exemple, pour aller à l'étranger, et qu'est-ce qu'on fait, en fait, par rapport à ça? Moi, je me suis vraiment posé une question... Je me suis dit, est-ce qu'en fait, je dois arrêter ma carrière parce qu'on est plus... est-ce qu'on est vraiment une solution? Même si je suis engagé, est-ce que je suis vraiment une solution? Est-ce que je suis... Justement, ce n'est pas délétère pour le vivant, pour la planète. Et après, sur les choix des partenaires, des sponsors, parce qu'on vit, on est beaucoup à vivre grâce aux entreprises, aux sponsors. Donc, on a le choix de choisir. On a le choix de choisir. Bon, ça ne va pas, ça. Donc on peut choisir, mais c'est toujours compliqué, parce qu'on a également besoin de moyens, et parfois, on n'a pas forcément cette opportunité d'avoir tant de choix que ça. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'on choisit de ne pas manger, de ne pas pouvoir se préparer, et pour être en accord avec ses valeurs? Ou est-ce qu'on choisit de se dire, allez, je ferme les yeux là-dessus, par contre, je sais, je suis un peu plus malin, et je me dis que ça va servir pour le propos? Et ça, c'est des questions, au final, je pense qu'on peut tous être amenés à se poser, notamment par rapport à notre travail. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut faire en moyen d'action? Donc au niveau individuel, on peut tous faire quelque chose. Alors moi, je suis végétarien, alors pas à 100%, je mange parfois de la viande, mais c'est très rare. Je me déplace quasiment qu'en vélo, vélo électrique, et qu'en transport en commun. Je n'ai pas pris l'avion, alors j'en prendrai pour les compétitions internationales, donc j'ai pas le choix. Alors au final, il n'y a plus trop en avoir parce que les championnats du monde, je vous invite d'ailleurs, c'est une invitation, on a les championnats du monde d'athlétisme para qui sont à Charletti. J'ai une très bonne mémoire des visages, je peux vous assurer, ce sera du 8 au 17 juillet. Bon, ce n'est pas une menace, mais j'ai une très bonne mémoire des visages. Merci Arnaud, on terminera par ça, vous pouvez les applaudir tous les deux. Merci. Merci, merci. Alors, avant de passer au deuxième panel, j'appelle à la barre deux personnalités qui travaillent dans l'univers de la start-up à impact dans le sport. Je voulais donner la parole au monde de l'entreprise, parce qu'on parle de fédération, on parle d'athlètes, on parle de président, on va bientôt parler aussi des pouvoirs publics juste après. Est-ce que Olivier, tu peux me rejoindre, et Romain, tu peux me rejoindre, afin de parler de vos deux organisations? On peut les applaudir également. Installez-vous, allez-y. On va commencer par toi, Romain. Alors, j'ai une question rapide. Est-ce que tu peux nous définir quelle est ton organisation, quel est son but et pourquoi tu l'as créée? Ouais, bonjour à tous. Déjà, je tiens à dire que je suis très heureux d'être là parce qu'il est important qu'on remette enfin le sport à la place qu'il mérite et de montrer que le sport peut être aussi un gros levier pour changer la société. Donc nous, très concrètement, on a pris le problème à bras-le-corps, puisque aujourd'hui dans le sport, le bilan carbone des organisateurs d'événements sportifs est en majorité représenté par les transports, des participants certes, mais aussi beaucoup des spectateurs. Et comment on s'y est pris? On a créé une entreprise qui s'appelle Stadium Go,
qui est une plateforme de covoiturage dédiée aux événements sportifs, où le but du jeu, c'est d'accompagner les organisateurs à promouvoir la pratique du covoiturage. Mais comme ça a pu être dit, et je trouve ça hyper pertinent, pas par le levier de la contrainte en leur disant que c'est mal ce que vous faites et que c'est de votre faute si aujourd'hui la planète brûle, simplement par le levier pédagogique que le sport, en leur faisant comprendre qu'aller au stade, aller voir un événement sportif, c'est un plaisir et ça doit le rester. Mais qu'en participant, en utilisant le covoiturage, quelque part, on peut avoir un levier d'action chacun à son échelle et partager à quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand et qui permettra de réduire drastiquement l'empreinte carbone globale du sport. Voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Stadium Go. Merci Romain et bravo pour ta mission d'entreprise. Bravo, on peut l'applaudir. La parole est à Olivier. Olivier, même question, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton organisation et son but? Bonjour à tous, extrêmement heureux aussi d'être parmi vous. Je suis très honoré parce que humblement, on a démarré nous notre entreprise en voulant changer les choses, changer le monde, j'aimerais, clairement. Donc moi, je suis le fondateur de la société FlyCup. FlyCup, ça a plusieurs ambitions. On a parlé de sport, on a parlé de loisirs, on a parlé de plaisir. Et c'est vrai qu'on est sur ces dynamiques-là parce que souvent, quand on va voir un événement, quand on va voir un match, ben, on y va pour le plaisir. Et on ne pense pas forcément à tout ce que ça peut engendrer derrière comme impact carbone. Donc il y a les transports, comme le disait Romain, et puis il y a aussi la consommation sur place. Quand on va dans un événement, on va sûrement aller boire une bière, on va manger un bon burger, des bonnes frites, et puis on ne pense pas forcément à comment sont fabriqués ces emballages, où est-ce qu'ils sont fabriqués, par qui, et l'impact de la fin de vie de ces emballages. Donc nous, on a voulu s'attaquer à ce problème-là en essayant de faire comprendre aux gens, finalement, qu'ils peuvent avoir aussi un impact dans leur consommation lorsqu'ils vont se déplacer dans un événement et lorsqu'ils vont profiter du moment. Donc FlyCup, qu'est-ce que c'est comme produit? Ce sont des packagings assez pratiques, malins, qui permettent de remplacer les emballages traditionnellement utilisés par tous les organisateurs d'événements et les restaurateurs. On est passé de la barquette de frites, de l'emballage pour le burger, du sac, etc., à un seul et unique emballage, qui est le FlyCup, qui permet de remplacer l'ensemble des emballages traditionnellement utilisés et qui permet de tout avoir dans une main. Donc fini les deux mains prises, fini le stress de stacher. Vous n'avez qu'un seul et unique emballage qui vous permet d'avoir toujours une main libre et de profiter du moment. Donc on part de ce biais-là, et puis après, derrière, au niveau de toute notre chaîne de valeur, on a cette volonté de décarboner finalement toute la consommation dans les événements. Aujourd'hui, on a une solution qui est, on va dire, on a la volonté de réduire les déchets, du coup, dans les emballages. Et dès aujourd'hui, pour demain, on est en train de travailler sur une solution qui sera zéro déchet, parce que l'emballage le plus vertueux est celui le déchet le plus vertueux est celui qu'on ne jette pas. Et donc, du coup, on a cette volonté, nous, de pouvoir aussi proposer une solution 100% réutilisable et réemployable. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire avec FlyCup. Et on essaie d'inclure, du coup, dans tout notre écosystème, les clubs surtout, pour aller vers beaucoup plus d'éco-supporterisme et de faire prendre conscience par le plaisir, de manière ludique, à tous ces supporters qu'ils ont aussi un impact et qu'on a besoin d'eux. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Donc ça bouge dans les entreprises, ça bouge dans les start-up. Et des exemples comme ça, il y en a 40. Donc voilà, on espère que ce sera le monde du sport de demain et que les clubs, les fédés et même les athlètes seront à la fois ambassadeurs et sponsors de ces marques. Alors j'appelle maintenant, pour passer au panel plutôt en lien avec l'impact social, trois nouvelles personnalités. Vous pouvez monter, on peut les applaudir, Isabelle, Jean-Philippe et Philippe. On a beaucoup parlé de l'environnement, l'impact environnemental du sport, à la fois dans sa pratique et à la fois dans ses responsabilités. Je pense qu'il est important maintenant de parler de l'impact social aussi qu'il génère, même si Johan et Arnaud en ont parlé un petit peu. Vous le savez tous, le sport est un fabuleux aussi moyen de rapprocher les peuples, travailler sur des problématiques d'inclusion, de féminisation. Et donc j'ai avec moi trois personnalités, et j'aimerais commencer par toi Isabelle. Tu es présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, et je sais que tu œuvres justement aussi à essayer de résoudre des problèmes de société, et tu œuvres pour le bien commun à travers tes actions.
Comme Johan, est-ce que tu peux peut-être me définir quel est selon toi le rôle et la définition d'une fédération sur un territoire ? Bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de cette invitation. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à l'UNESCO, donc c'est vraiment un moment important aussi en tant que représentante d'une fédération sportive. Et je remercie vraiment François de m'avoir invitée sur ce temps. L'objectif d'une fédération sportive, à notre sens, au niveau de notre fédération de hockey sur gazon, je fais juste un petit aparté, c'est 12 000 licenciés en France, c'est 50 000 pratiquants plutôt dans le monde scolaire, et c'est une fédération que nous avons reprise en janvier 2021, qui était au bord de la cessation de paiement. Voilà, donc on a dû en un mois et demi trouver des ressources et avoir une avance de trésorerie pour s'en sortir. Donc tout ça pour dire que dans la définition de ce qu'est une fédération, c'est aussi une organisation en capacité de s'adapter très rapidement à des changements brutaux. On parle de tous les aspects environnementaux, mais quand on est dans un contexte financier complexe, avec des enjeux sociétaux et sportifs importants, c'est aussi un moyen de pouvoir prendre conscience qu'on peut s'adapter. Donc, dans les ambitions d'une fédération sportive aujourd'hui, je rejoins ce que disait Johan, c'est notre capacité aussi à porter des projets de performance sociétale et sportive. En tout cas, c'est le cas de notre fédération dans ce champ-là, avec une double ambition, voilà, l'ambition sociétale et sportive, sachant qu'une fédération, c'est aussi une organisation qui porte plusieurs dimensions. J'ai parlé de la dimension économique rapidement, mais elle porte aussi les dimensions sociales, dont on va parler, sociétale, c'est-à-dire l'ancrage territorial de la fédération au travers de ses ligues, de ses comités et de ses clubs, environnementale au travers de ses impacts, de ses activités, et puis bien évidemment au sujet de la gouvernance, c'est-à-dire sa capacité à prendre des décisions et à prendre ses responsabilités pour que finalement cette organisation elle soit non seulement en état de fonctionner correctement pour répondre à un enjeu qui est le bien-être commun, voilà, mais également à sa capacité à être pérenne dans le temps. Une fédération, ça doit être une organisation qu'on doit pouvoir transmettre aux suivants et aux suivantes qui les manageront. Donc en tout cas, pour moi, c'est cet enjeu-là qui est important. C'est une organisation multidimensionnelle qui doit être transmise, qui doit être pérenne, au même titre que je comparais ça un peu à une entreprise familiale qui porte des valeurs de transmission. Eh bien, une fédération, on est porteur d'un projet pour la société et on doit transmettre cette organisation demain afin qu'elle ait une performance globale finalement démultipliée en actionnant ces 5 leviers. Donc la dimension sportive, elle est bien évidemment importante. Je rejoins aussi parfaitement ce que disait Johan, c'est-à-dire qu'on a une vision collective et historique des fédérations qui étaient des fédérations uniquement en capacité d'être porteuses d'athlètes, voilà, de médaillés olympiques et de médailles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et encore plus avec ce qui s'est passé pendant le Covid, les changements s'accélèrent, les générations, les nouvelles générations, et même les générations, les quinquas ont aussi d'autres attentes. On n'a plus envie de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on impulse ces changements et comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce qu'on gère ces changements tous ensemble dans ce monde qui change et qui a des attentes beaucoup plus fortes sur la transparence, sur l'éthique, sur la déontologie, sur cette notion d'intégration sociale, d'inclusion. Voilà, on n'oublie personne sur le bord de la route. C'est ça aussi les valeurs, je pense, que le sport et que nos fédérations ont comme mission. Et en tout cas, c'est celle que nous essayons modestement de porter parce qu'on le voit bien, ces enjeux nous dépassent. Il faut qu'on ait la vision écosystémique pour qu'on ne soit pas à côté de la finalité en fait, que portent nos fédérations olympiques, surtout dans le temps de Paris 2024, puisqu'il y a les enjeux sportifs, on le sait tous, qui sont importants, mais on parle aussi tous beaucoup d'héritage. Et l'héritage, voilà. C'est bien évidemment qu'est-ce qu'on va léguer demain pour devenir une nation sportive, puisque c'est quand même l'autre pendant de la finalité des objectifs que l'État nous a fixés. Merci Isabelle, on va en parler. Je m'adresse à Monsieur le maire, Philippe Rio, maire de Grigny. Le rôle et le rôle des villes dans tout ça. Quel serait potentiellement le rôle d'une ville quant à la promotion du sport et quel est l'impact du sport dans une ville ? Merci de votre invitation. D'abord, le sport est politique, il est géopolitique, mais c'est aussi un outil de développement local et territorial. Une conviction, le sport est un droit, comme il y a un droit à la culture, un droit à l'éducation dans notre pays. Je pense que ce concept-là est quelque peu en retard dans notre pays. Et puis, troisième élément, la chance d'être aussi président de l'association Maire pour la Paix France, issu d'un réseau mondial présidé par les maires d'Hiroshima et Nagasaki. Et l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon,
devant un certain nombre de maires, avait dit la chose suivante. La paix ne se fait pas uniquement à Genève ou New York, elle se fait aussi dans les villages, les villes et les quartiers. Ça vaut pour le sport. Et donc, bien évidemment, les collectivités locales sont d'ailleurs les premiers financeurs du sport en France. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et je crois que nous sommes à la croisée des chemins parce que le sport est bien souvent considéré comme la dernière roue du carrosse de nos politiques publiques. Tantôt utilisé pour organiser la paix sociale, tantôt pour faire un peu de santé, tantôt parce que c'est sympa, tantôt parce que ça forme des champions, tantôt, voilà. On l'utilise de manière très parcimonieuse. Or, nous avons tous les ingrédients pour créer un outil de développement local au service du territoire, de ses habitants, de ses acteurs, et on ne pourra pas faire nation sportive sans les collectivités locales, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le sport permet l'aménagement urbain. On parle de plus en plus d'urbanité sportive, d'équipement sportif évidemment. Mais les pratiques hors club, dans la nature, dans la rue, transforment nos villes. C'est bien évidemment un enjeu éducatif. Et quand les villes ont en charge les maternelles et les primaires, on voit bien qu'il y a une passerelle extrêmement forte à faire avec le sport scolaire. Bien évidemment, on peut aller plus loin, collège et lycée. Troisièmement, de plus en plus, mais Jean-Philippe Asensi en parlera beaucoup mieux que moi, le sport est aussi, c'est aussi de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Le sport, c'est bien évidemment de la santé, le sport, c'est aussi de l'égalité, d'égalité. Donc, le sujet pour nous, collectivités, c'est comment on fait écosystème avec les acteurs, notamment de la société civile, je pense aux associations, à leur fédération. Il y a actuellement un mouvement très intéressant de rapprochement entre les villes et les fédérations pour avoir une nouvelle approche complémentaire de la relation privilégiée que nous avons avec nos clubs sportifs, qui restent des partenaires quotidien et dans l'hyper-proximité. Et donc, on doit faire écosystème à la veille des Jeux Olympiques pour préparer l'après. Et donc, préparer l'après, ça veut dire que nos territoires soient en capacité d'accueillir cet afflux de sportifs dans nos clubs, donc structurer nos clubs, structurer nos villes, notre manière de faire, attirer aussi les acteurs économiques dans ce projet territorial, parce que certains cherchent à faire... Ma ville, par exemple, une grande entreprise française souhaite développer, accompagne les clubs sur le développement du sport féminin et considère que c'est dans sa responsabilité sociale des entreprises d'accompagner financièrement pour améliorer l'encadrement sportif, mettre de la qualité autour de cette pratique. On va y revenir juste après. Je donne juste la parole à Jean-Philippe et après je reviens à toi, Philippe. Jean-Philippe, pour vraiment faire le lien et la passerelle avec ce que disait Philippe, je sais que tu as fait, toi, de ta vie, un combat aussi pour ces enjeux d'inclusion. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que tu fais au sein de l'Appel, et puis voilà, ta mission en tant qu'homme déjà, puis en tant que citoyen. Merci. Je suis très impressionné par cette salle. Et je vois une administratrice de l'APES, Marie-Josée Lalard, qui est une ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, qui a fait un travail extraordinaire et très inspirant sur le sport, la jeunesse dans tous les pays du monde. Ce qui a été dit est je trouve, très, très puissant par les villes, par des champions, des présidents de fédérations, parce que le sport est une très, très grande école. Une très, très grande école qui, finalement, est trop peu reconnue. Moi, j'ai passé 25 ans de ma vie à détecter, à accompagner et valoriser des initiatives locales qui ont une dimension sociale, d'insertion. C'est le club de boxe féminine à Garges-lès-Gonesse qui fait un travail sur l'insertion des jeunes femmes. C'est le club de parcours 59 à Roubaix qui fait aussi un travail sur le sport et la culture. Finalement, toute cette expérience, elle m'a fait comprendre que le sport, il y a quatre dimensions essentielles d'apprentissage pour nous dans le sport. Un, le sport est un élément où on apprend la diversité. Et aujourd'hui, avec ce que l'on vit aujourd'hui, la diversité, comment sur un terrain de sport, on joue avec des gens très différents de nous, différents culturellement, différents socialement.
et c'est pas banal. Donc cet apprentissage, il vous sert tout au long de la vie. Deuxième élément, le lien social. Vous allez dans un club de sport par envie, par passion, et vous avez le plus gros réseau de bénévoles en France qui vous accompagnent. Ce sont des hommes et des femmes qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs et qui vont tisser ce lien de solidarité. Troisième apprentissage majeur, le défi permanent. Toutes les semaines, on organise une rencontre sportive, que l'on soit champion olympique comme Arnaud ou champion départemental comme certains d'entre vous, on prépare avec ses collègues, on prépare la rencontre sportive et on apprend un certain nombre de choses à travailler collectivement. Et troisième élément, gagner, savoir se maîtriser. On apprend la maîtrise de soi. Dans la défaite, on apprend à rester digne. Dans la victoire, on apprend à pas trop en faire. Et finalement, ces quatre apprentissages, ils nous ont permis à nous de se lancer, il y a une dizaine d'années, un nouveau défi, de dire, finalement, tout le travail éducatif qu'on fait dans les clubs, comment faire en sorte que ce soit aussi un travail pour l'insertion professionnelle. Parce que la chose la plus difficile dans les territoires compliqués, c'est le fait que vous avez des jeunes qui sont coupés du monde professionnel et que le métier qu'on a créé des coachs d'insertion par le sport, c'est d'aller chercher ces jeunes et de restaurer le lien de confiance. Donc finalement, on a lancé il y a une dizaine d'années un programme qui s'appelle Déclic Sportif, qui est un programme d'inclusion par le sport. Dans les villes les plus dures de France, on est à Garges-lès-Gonesse, on est à Marseille, on est à Vaux-en-Velin, on est au Havre, on est à Roubaix, on est à Calais. Et finalement, on a été à la recherche de tous ces jeunes qui ont un talent fou. Certains sont sous le toit du monde sur le sport de haut niveau. Hein. La plupart beaucoup de grands champions français viennent de ces territoires prioritaires. Et pourquoi ils ne seraient pas aussi sur le toit du monde dans le monde de l'entreprise? Donc on fait ce travail, on va rechercher ces jeunes dans les clubs de sport. On a mis en place tout un parcours autour de ces soft skills dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on va jusqu'à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on a été chercher des entreprises. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des jeunes, donc on est tombé par hasard sur les banques. On vient de signer le 500e CDI il y a quelques jours, donc ça veut dire qu'on fait toute cette chaîne de valeur sur un territoire donné, par exemple à Garges-lès-Gonesse, où on est présent. On accompagne 150 jeunes par an, on va les chercher, on les forme, on les accompagne et on les met dans le monde des entreprises. D'autres ont suivi le pas. D'autres fédérations sont aujourd'hui en train d'enclencher aussi les choses, la fédération de voile, de boxe, d'athlétisme. Il y a une formidable ambition autour de cette idée d'inclusion par le sport. Et c'est vrai qu'à quelques mois maintenant des Jeux Olympiques, on se dit que c'est peut-être un élément fort que celui de l'inclusion par le sport, de faire en sorte que tout cet écosystème qui est là présent ici avec des entreprises, des collectivités locales, des fédérations, puissent enclencher le pas et qu'on puisse collectivement se dire que peut-être que le grand défi de demain, c'est de faire en sorte que le sport devienne un fantastique lieu de recrutement et d'accompagnement des jeunes. Merci Jean-Philippe. Tu parlais justement d'inclusion et je retourne vers Isabelle. Qui dit inclusion dit aussi féminisation et dit aussi, je crois, la Fondation Impact 2024. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet Impact 2024 ? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez compris, notre fédération, on a démarré, on est parti de loin. Mais pour autant, on avait une ambition qui était celle de répondre à la promesse sur laquelle nous avons été élus par nos clubs et donc de déployer le projet de performance sociétale et sportive. Donc dans ce projet, il y avait toute une partie, bien évidemment, sur cette notion d'inclusion, de permettre à tous les jeunes de pratiquer notre sport, puisque historiquement, le hockey, c'était une pratique plutôt élitiste. Et nous, notre projet visait à être plutôt disruptif et transformer notre fédération pour être finalement plus dans les standards de ce qui se passe dans 122 pays dans le monde et d'avoir une pratique féminisée, mixte, puisqu'on est sur un sport qui est paritaire au niveau mondial. Donc on avait un chemin important à parcourir. Donc on a d'abord fait un premier accompagnement, on s'est fait accompagner par un cabinet qui a été financé par l'AFDAS qui s'appelle BL Evolution, qui nous a aidé à faire un diagnostic, un état des lieux sur notre démarche RSO, et puis derrière à pouvoir enclencher des actions en lien avec le projet politique sur lequel on avait été élu.
Donc au travers de cette démarche, on a du coup derrière sollicité le fonds de dotation Impact Paris 2024 sur un projet qui était totalement en phase avec à la fois le projet politique et l'état des lieux, et qui visait à travailler sur deux axes, qui étaient de dire on va travailler d'abord sur la formation et puis aussi sur la conquête de nouveaux publics, à condition que ça ait du sens et que ça serve aussi à l'intérêt général. Donc la finalité, c'était de soutenir un projet qui portait le sujet du hockey, mais avec un impact social, enfin à des fins d'impact social. Donc on a présenté en fait ce projet-là sur ces deux axes, à la formation. Pour nous, c'était important de former des jeunes qui étaient parfois soit en décrochage scolaire ou qui souhaitaient s'orienter vers les métiers du sport sur des métiers d'animateurs socio-sport. Parce que derrière, on souhaitait faire la promotion aussi et mettre en avant la capacité de notre sport à faire du hockey inclusif et à proposer aussi des activités de hockey santé, mais donc former des jeunes sur ces métiers du sport. Donc ça rejoint ce que disait Jean-Philippe. Et on a travaillé du coup sur ce sujet-là, pas tout seul non plus, parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les compétences au sein de notre fédération. Et puis surtout qu'on avait des acteurs en France qui étaient déjà hyper engagés sur ces sujets-là, qui avaient de l'expertise et avec qui on était complémentaires. Donc on s'est rapprochés notamment d'acteurs comme l'UFOLEP, notamment pour toute la partie formation, sur la partie animateur, sur le socio-sport et insertion. Et puis aussi, on a travaillé avec Sport dans la Ville. Parce que là aussi, notre projet via la féminisation, c'est de permettre à des jeunes filles de pratiquer du sport et de s'émanciper grâce au sport. Et bien évidemment, en pratiquant du hockey, mais pas seulement. Donc le UFOLEP répondait aussi parfaitement et on est complètement complémentaires avec eux parce que les valeurs qu'ils portent dans leur ADN, on les comprend et on y adhère aussi. Et on souhaitait vraiment avoir des partenariats avec des expertises complémentaires. Donc c'est dans ce champ-là qu'on a travaillé. On va déployer ce projet. On a commencé à le déployer sur nos ligues, qui sont les représentants de la fédération dans les territoires. Mais la finalité de tout ça, c'est bien d'être proche des clubs, puisque c'est nos clubs qui font vivre nos fédérations. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont nos clubs qui font naître des vocations dans les métiers du sport, qui font naître des vocations pour des dirigeantes ou des dirigeants, qui font naître des vocations pour être éducateurs sportifs ou pour être sportifs de haut niveau. Donc c'était vraiment ce sens-là qu'on voulait donner à ce projet, c'est le décliner dans nos clubs pour accompagner aussi nos bénévoles dans cette transformation qu'on est tous en train de vivre et que nos fédérations doivent accompagner. Donc ça a vraiment été le sens de ce projet et on a eu la chance d'être soutenu par ce fonds de dotation de Impact Paris 2024. Merci Isabelle. Dans la continuité de ce qu'on était en train d'évoquer, Philippe, en préparant cette conférence, je suis tombé sur un très beau projet de la ville de Grigny, celui de la cité olympique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Et on te laisse la parole, vas-y. D'abord, très, très rapidement, la particularité, tous les maires vous diront que leur ville est particulière et singulière, ce qui est vrai. Parfois avec des choses positives, parfois avec des choses un peu plus difficiles. Grigny est la ville métropolitaine la plus pauvre de France. 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, la question de l'accès au sport est un sujet. La licence est un obstacle à la pratique sportive en club de manière encadrée, avec des bénévoles et des professionnels. Et donc, cette cité olympique, c'est réfléchir ce que nous n'avions pas fait, je crois vraiment historiquement, les collectivités locales. J'ai parlé d'aménagement, d'école, de santé, d'insertion, de formation. Comment tout ça, notre cité olympique, et on se donne le droit de mettre le mot olympique au mot cité, là où certains voudraient que nous n'utilisions pas ce mot. Mais comme rien n'est trop beau pour nos cités, nous, on souhaite que, associer ces deux mots-là. Et par exemple, dans l'ensemble de ces dimensions de formation, on crée des parcours de formation d'éducateurs sportifs, de premier niveau jusqu'au niveau 2 ou 3. Et sur l'accès au sport, peut-être le plus emblématique de cet écosystème de politique publique qui se croise, c'est celui tout simplement de l'aide à l'accès au sport. Lorsqu'une licence coûte parfois 200 euros à l'année pour des familles qui sont en situation de pauvreté, tout le monde peut imaginer que lorsque on est... Autre élément important, 50% de la population a moins de 30 ans. Donc très jeune et très pauvre. On a fait la quasi-gratuité des licences sportives par un système de soutien public, d'amélioration, d'accès aux droits, tout simplement, auprès notamment de la caisse d'allocation familiale et puis d'un effort de la ville.
Le résultat, en un an, plus 600 enfants inscrits entre 6 et 16 ans. Un boom de 40% du jour au lendemain, d'un mois de juin à un mois de septembre. On a été extrêmement surpris de cela. On ne pensait pas, on avait une intuition. On ne pensait pas que ça allait être aussi puissant. Et l'autre élément important, la participation féminine. Plus 60% d'inscrits filles dans les clubs sportifs de la ville. Alors bien évidemment, maintenant, cette situation nous oblige à accompagner les clubs sportifs, parce que se retrouver dans un club de basket qui, il y a 5 ans, était à 60, aujourd'hui avec 400 adhérents, dont la moitié de femmes, de jeunes filles, nous oblige à structurer et à monter en régime. Donc voilà, cette cité olympique, elle a cette vocation à considérer que le sport est un outil du développement personnel, mais aussi collectif à l'échelle d'une ville. Je parle d'outils de développement territorial. C'est la petite ambition que nous avons et on le fait avec toutes celles et tous ceux qui, encore une fois, œuvrent quotidiennement dans les clubs, les fédérations, les clubs, les bénévoles et le service public local aussi, puisque on intervient beaucoup dans les écoles pour faire découvrir tous les sports dès la maternelle, en école élémentaire, sur le temps scolaire avec nos éducateurs sportifs et pour faire ce continuum sportif dans l'école et hors l'école, parce que ça aussi c'est un élément extrêmement important. Merci Philippe. Et dans la continuité de ce que dit Philippe, Jean-Philippe, tu me parlais aussi du fait que les clubs, les fédérations deviennent même des espaces de recrutement aujourd'hui. Est-ce que tu peux aussi nous en dire quelques mots ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous on a mis l'accent sur le métier parce que finalement on a toujours manqué un petit peu d'ambition sur ce métier de coach d'insertion par le sport, parce que c'est un vrai métier. L'éducateur sportif, c'est celui qui va chercher le jeune, qui va lui enseigner une pratique. Et le coach d'insertion, c'est celui qui va monter son projet professionnel, c'est celui qui va aller voir les entreprises, c'est celui qui va rester en contact avec les recruteurs. Donc c'est un langage nouveau. C'est la connaissance d'un écosystème. Donc nous, on a mis beaucoup d'énergie et de moyens sur ce métier depuis 3 ans, qui est validé par France Compétences. Donc on a formé plus de 300 animateurs d'inclusion par le sport. Et là, on lance à partir de début janvier le programme des coachs d'insertion par le sport. On va en former 1000 sur les 3 années à venir. Et quand je dis que les clubs sont des espaces de recrutement hors normes, parce que ce sont les plus grandes associations dans les clubs dans les villes. Chez Philippe, à Grigny, le tissu associatif sportif, il est colossal. Mais comme à Roubaix, comme à Vaux-en-Velin, c'est des lieux de vie incroyables. Et donc on a un potentiel d'éducateurs. Quand même se rendre compte qu'en France, on a parmi les meilleurs éducateurs sportifs du monde. Personne ne les connaît, mais tous ceux qui ont sorti les plus grands champions sportifs français, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, dans ces villes. Et donc c'est un nouveau métier qui va permettre de professionnaliser cet encadrement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup rapproché, c'est un fait nouveau, des fédérations, parce qu'il y a un développement très très fort pour eux. Par exemple, il y a plus de 20 millions d'euros qui ont été mis ces 5 dernières années par le ministère du Travail, qui permet à des fédérations, à des associations de mettre en place des programmes d'inclusion par le sport. Donc ça, c'est totalement inédit, c'est totalement nouveau. Et quand je dis que le club de sport est un espace de recrutement hors normes, parce que le coach, il connaît mieux que personne ces jeunes. Et puis, il a ce lien de confiance qui est si utile dans une aventure professionnelle, qui est jamais banale, hein, d'aller voir le Crédit Agricole quand vous êtes bac-2 ou tout juste bachelier. C'est pas simple. Donc, il y a une nécessité d'accompagnement. Et nous, en tous les cas, on fait le pari que demain, les coachs d'insertion par le sport seront peut-être les DRH de demain, ceux qui seront en capacité de remettre dans l'emploi ces milliers de jeunes. Quand même se dire qu'on a 2 millions de jeunes au chômage sans diplôme en France, ce qui fait qu'on est un des premiers, malheureusement, pays de l'OCDE en termes de nombre de chômage de jeunes. Il y en a à peu près 1 million dans les quartiers, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, on est dans cette dynamique, mais c'est cet écosystème. Fédération, club de sport, en partant du local, parce que les réalités, elles sont locales. Tu le disais tout à l'heure, Isabelle, il faut accompagner les clubs. Aujourd'hui, sur ces évolutions, il faut faire en sorte que demain, les clubs soient de vrais entrepreneurs sociaux. Donc, il faut les accompagner à devenir des petites entreprises sociales,
mais les petites entreprises et en tentant de professionnaliser ce métier de coach d'insertion par le sport. Merci Jean-Philippe. Et tu fais le lien justement sur l'aspect promotion d'une mission. Le sport est aussi investi d'une mission. Récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour certains d'entre vous, la loi Pacte a été votée. La loi Pacte qui fait inscrire dans les statuts cette notion de mission. En tant qu'entreprise, en tant que peut-être fédération, et Isabelle va nous en parler, quelle est la mission sociétale, quelle est ma raison d'être en tant qu'organisation? Je pense que c'est aussi au sport, et c'est aussi au rôle du sport de pouvoir inscrire dans ces statuts, de pouvoir faire en sorte qu'il ait un impact encore plus fort. Isabelle, tu me parlais justement de cette notion, pourquoi pas demain, de fédération à mission qui est inscrite dans ses statuts et dans sa raison d'être, dans ses objectifs même de développement, ses enjeux de durabilité, d'éco-responsabilité et d'impact social. Est-ce que tu peux aussi là nous détailler un peu ce point-là? Oui, effectivement, la loi Pacte, elle date de 2019. Elle a permis aux entreprises de s'ancrer dans un nouveau modèle qui correspondait aussi aux transformations attendues par la société et qui aujourd'hui a permis quand même de passer de 200 entreprises à mission en 2020. On est à plus de 700 aujourd'hui. Donc ça montre quand même qu'il y a des entreprises qui avancent. Alors évidemment, 700, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de notre nation, mais quand même, ces entreprises-là, c'est des entreprises de toute taille qui s'engagent pour un modèle vraiment différent. Donc, moi, il me semble qu'en tout cas, nos fédérations sportives, et ça, je donne un avis très personnel là, puisque moi, je ne suis pas issue du monde du sport, je ne fais pas partie du Sérail, je viens de la société civile, j'étais parent bénévole, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré dans le sport. Et en tout cas, le constat que je peux faire aujourd'hui, à ma petite échelle, c'est que quand même, on est dans un écosystème qui est très conservateur. On est dans un écosystème où il y a eu des habitudes qui ont été prises depuis des années. C'est exactement, je partage totalement la vision que donnait Johan aussi, avec finalement une vision très, très, très clivante parfois, très formatée, très normée. Et quand on sort du cadre, bien c'est compliqué. C'est ce que disait aussi Arnaud sur la partie athlète, hein, faut pas sortir des rangs. C'est compliqué d'avoir une parole, sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on attend aussi d'une fédération sportive, c'est qu'elle porte un projet sociétal qui correspond aux attentes en fait, des jeunes, des seniors, des citoyens. Donc je trouve qu'effectivement, en tout cas moi c'est le vœu que j'ai, alors à l'échelle de ma fédération, j'espère pouvoir mener ce projet, encore une fois à mon échelle, parce que voilà, c'est un projet de fond, c'est pas juste l'écrire sur un site internet, en tout cas moi je m'y refuse, il vaut mieux ne rien faire que de faire ça, mais en tout cas c'est travailler à cette trajectoire pour que demain on puisse avoir en tout cas une fédération ou des fédérations qui ont véritablement une raison d'être, et qui ne sera pas uniquement de l'affichage, mais qui sera véritablement le sens qui sera donné et qui correspondra aux attentes de la société et de tous les collaborateurs et de toutes les parties prenantes qui rayonnent autour de nos fédérations sportives. Vous le disiez, les fédérations et le sport, c'est un enjeu politique. Il ne faut pas se leurrer. Oui, le sport, c'est clairement un levier politique important. On l'a vu dans le choix des sites olympiques, on le voit dans le choix des sites pour des Coupes du Monde. On ne peut pas dire que le sport n'est pas politique parce qu'il l'est. Il a un impact géopolitique très important, sauf qu'il y a parfois c'est décorrélé entre les moyens qui sont mis des fois au niveau mondial sur ces choix-là et les moyens qu'ont les nations d'agir sur ces choix. Nous, en tant que fédération nationale, on est soumis à ça vis-à-vis de nos fédérations internationales et vis-à-vis aussi du CIO. Donc, il y a ces relations-là, il ne faut pas se leurrer, ça nous impacte. Quand on veut faire bouger les choses, je prends un exemple dans ma fédération sur la partie infrastructure environnementale, notamment les terrains de hockey, qui ont un impact environnemental sur notamment le mouillage. Eh bien, c'est assez compliqué parce que derrière, on a des équipementiers, des relations business, des sponsors, et qu'on a uniquement notre capacité de plaidoyer, notre capacité d'influence, notre capacité de nous mobiliser entre plusieurs fédérations ou via des fois le CNO pour porter, en tout cas pour essayer de faire bouger les lignes. Voilà, donc plus on est d'acteurs, parce que cette vision-là, elle doit être écosystémique, et plus on aura de puissance, en fait, pour pouvoir faire bouger les lignes. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Et encore une fois, c'est vraiment un avis personnel. Merci Isabelle. Et pour rebondir sur justement cette thématique politique, c'était il y a quelques jours le Salon des maires. Je ne sais pas si toi, Philippe, tu y étais. Est-ce que le sport a sa place au sein de ce Salon des maires? Et sinon, s'il n'a pas la place, quels sont aussi, selon toi, les principaux freins à l'intégration des politiques sportives dans les villes? Ça l'a été dit par tout le monde, on est à la croisée des chemins sur la place du sport dans la société. Et donc, nos territoires
et les maires, les collectivités locales sont traversées par cela. Soit nous continuons à être des subventionneurs, un peu au gré, de la mode sur des sports, sur des choses, ou bien on considère que le sport a une place entière, elle est multifactorielle, et on structure sur le temps, parce qu'une politique, c'est pas la baguette magique, c'est structurer des politiques publiques dans le temps, et des fois, ce sont même pas nous qui récoltons les fruits des politiques que l'on porte. Et donc, il faut avoir cette vision à long terme, parce qu'on ne crée pas une nation sportive à coup de slogans, ou comme disait le général de Gaulle, on saute comme des cabris et ça va se passer, c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes très en retard, le monde sportif le dit, le monde politique est montré du doigt sur le retard pris par la France sur un tas de choses. On espère que les Jeux Olympiques vont nous permettre de faire, quand même les uns et les autres, un certain nombre de craintes. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le comité interministériel des villes, la moitié du gouvernement s'est réuni à Grigny pour le plan de relance pour les quartiers populaires. Nous avons proposé un truc assez hallucinant, un plan de rattrapage d'équipements sportifs, parce que ce sont dans les villes populaires, là où il y a le moins d'adhérents dans les clubs, qu'il y a le moins d'équipements sportifs en France. Et donc il y a des carences en matière d'équipements sportifs en France. Bien évidemment, ce moment-là n'a pas permis de résoudre le problème. Il ne va pas nous falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 annonce, 2 annonces, mais 5, 10 ans, et on a du mal à rattraper le retard que la France a pris à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des collectivités territoriales. Donc, j'ai espoir que le moment Jeux Olympiques, l'héritage dépasse bien évidemment les JO 2024, les JOP 2024, y compris en matière d'équipement de structures paralympiques. Et donc c'est l'après, moi, qui m'intéresse, plus que l'événement, sur comment notre pays est en capacité de porter cela. Et puis peut-être 2 petites choses très rapides qui me paraissent importantes. Dans une ville populaire, vous voyez dans l'actualité ces drames de rixes entre jeunes. Si bien évidemment, vous allez me dire, mais quel rapport avec le sport ? Ben, en fait, le sport est aussi un outil de prévention. Alors, il ne faut pas l'utiliser que comme ça, évidemment, mais dans ma ville, lorsqu'il y a 2 quartiers, celui de la Grande Borne et celui de Grigny 2, quand il y a des tensions extrêmement fortes, on se met en alerte avec les bénévoles du club de foot, parce qu'ils ont le même maillot le reste du temps. Et cette appartenance commune, faire unité à travers la pratique d'un sport, est un élément extrêmement important pour lutter contre ce phénomène de société qui est d'une horreur sans nom, qui se développe. Et donc voilà, bien évidemment, on n'y arrive pas toujours, demain ça peut arriver, mais c'est un peu comme les trains en retard, hein. On ne parle que de les 10% qui sont en retard, et les 90% des trains, en matière de RIC, c'est la même chose. On règle 90% des situations et le sport a un rôle extrêmement important dans cette connaissance de l'autre et dans ce partage en commun. L'autre élément, je reviens sur la question de la pauvreté, en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai retrouvé une phrase d'un joueur de foot un peu illustre, même énormément, puisqu'il s'agit de Pelé, qui disait la chose suivante, et le sport a une place particulière dans cela. La pauvreté vous dépouille du respect de soi, de la confiance en soi. La pauvreté, c'est la peur, non point la peur de la mort, qui, bien qu'inévitable et raisonnable, c'est la peur devant la vie. Et c'est une peur terrible. Je trouve que le sport vous fait dépasser cette peur de la vie. Et au contraire, le sport, c'est une joie de vivre. Et ça amène de la dignité humaine. Et voilà en quoi le sport est politique aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc forcément, toi Jean-Philippe, qui travaille aussi sur ces solutions, sur ces manières de rendre un peu plus de cohésion dans parfois des quartiers difficiles, comment toi tu vois l'évolution et comment tu vois la place du sport dans la société, dans ces résolutions de problématiques sociétales? Philippe, tu as cité Pelé, moi je vais rester en France, je vais citer Jean-Claude Perrin, qui disait... À Colombie, c'était marqué « entraîner, c'est aimer ». Moi, je trouve qu'on a une formidable
possibilité aujourd'hui d'être ambitieux, parce que ce qui nous porte, c'est l'insertion, c'est ces jeunes, c'est-à-dire que c'est ces regards, c'est ce talent incroyable, 1 million de jeunes au chômage sans diplôme en France, dans les quartiers. Ça peut être le pire et ça peut être le meilleur, mais ce n'est pas possible de se dire que dans une phase où toutes les boîtes recherchent des jeunes, que ces jeunes soient la cinquième roue du carrosse. Donc il y a des réalités. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui marchent. Donc il faut porter, il faut essayer de porter avec vous tous une grande ambition. La ministre des Sports a lancé une feuille de route sur l'insertion. C'est quelque chose qui est déjà très dynamisant. Il y a l'idée de se dire, voilà, il faut créer une grande équipe de France de l'inclusion. Et finalement, le défi qu'on peut partager tous, c'est le défi des collectivités locales qui peuvent changer un petit peu leur modèle et travailler pour que les clubs s'engagent dans ces voies d'insertion. Le défi des fédérations, comme le disent nos deux amis, voilà, des entreprises à mission, de nouvelles missions pour les fédérations. Et puis les éducateurs. Un nouveau métier, une nouvelle ambition pour tous ces coachs incroyables qu'on a en France qui sont en capacité demain de porter, d'accompagner des milliers de jeunes. Donc voilà, cette grande équipe de France, eh bien, on espère qu'elle va vivre, et on est à 1 an et demi des Jeux Olympiques, et c'est ce message aussi qu'on a envie de porter, puisque l'héritage, c'est aussi ça. C'est aussi se dire que demain, le sport dans la société servira à autre chose qu'à faire des champions, même si Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Voilà, cette dimension sociale, il faut que ce soit la norme demain, et que ces milliers de clubs, ces milliers d'éducateurs, dans leur mission, il y a aussi l'inclusion des jeunes par le sport. Merci. Je crois qu'il y a un dernier mot, Arnaud, tu voulais nous dire. Oui, c'était par rapport à tout ce qui a été dit, au fait que le sport est politique, que le sport est un outil systémique. Ça a été illustré au niveau social, au niveau sociétal. On n'a pas tellement parlé de l'aspect de la santé, l'aspect de la mobilité également. Enfin, on est réellement dans des solutions qui peuvent être apportées par le sport de manière systémique. J'aimerais juste partager une petite déception avec vous, que Madame la Ministre et que Laurence Fischer, qui est ambassadrice du sport, qui est une amie que je connais bien, malheureusement ne sont pas présentes aujourd'hui. Et par rapport à tout ce qui a été dit, également pour toutes les associations, en plus des bénévoles déjà qu'on cite, le travail des fédérations, des villes, des collectivités territoriales et des entreprises également, c'est important d'avoir notre gouvernement qui soit également présent. Je ne sais pas si vous êtes en capacité de pouvoir le dire, donc je le dis moi, parce que c'est très important. Et encore une fois, que ce soit sur la problématique environnementale, que ce soit sur les problématiques sociales et de société, on ne peut y arriver qu'ensemble. Donc voilà, j'aimerais terminer sur cette note, en tout cas juste par rapport à cette belle table ronde pour la première fois à l'UNESCO. Je le rappelle, c'est quand même génial de pouvoir être présent aux universités de la Terre. Merci, et merci à tous et merci à tous les intervenants. Voilà, c'était historique. Le sport rentre enfin au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on en est très fiers. Et je laisse peut-être la parole à 2-3 petites questions rapides, il est 18h. Et puis ensuite, on ira regarder le match. Non, je rigole. La journée mondiale du rêve. Bon, on terminera par cette très beau moment poétique. Est-ce que dans la salle, il y a une ou deux dernières questions, ou est-ce que tout a été dit, tout est clair? Ah, une question par ici. Tout était passionnant, j'aurais 100 000 questions, mais il ne faut en poser qu'une seule, vu l'heure. Je pensais aux sportifs de haut niveau et aux témoignages que vous avez fait, Arnaud, sur votre rôle d'ambassadeur. Et quel rôle les fédérations pourraient jouer auprès de ces sportifs de haut niveau pour les inciter à devenir des ambassadeurs? Est-ce que vous pensez, vous, les présidents de fédé, que ça pourrait être une de vos missions
ou est-ce qu'il faut laisser les sportifs décider d'eux-mêmes? En tout cas, je pense que notre mission, c'est de leur proposer effectivement d'être des acteurs. C'est déjà le cas en fait sur les sportifs de haut niveau. Dans les conventions qu'on signe avec eux, ils ont un rôle d'ambassadeur dans nos clubs, hein, puisqu'ils ont été formés par des éducateurs dans leur club. Et nous, on tient vraiment à ce qu'ils gardent ce lien avec ces clubs formateurs, parce que derrière, c'est d'autres jeunes qui peuvent faire rêver, qui peuvent accompagner, avec qui ils peuvent s'amuser. Hein, parce qu'encore une fois, en France, il n'y a que 23% des jeunes qui veulent faire du sport de haut niveau. Donc il faut aussi que nos sportifs de haut niveau soient les meilleurs ambassadeurs du sport au sens large. Après, sur le rôle des athlètes et leur voix, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je pense que nos fédérations doivent aussi être en capacité de les accompagner dans les voies qu'ils vont porter. Ils ont un rôle très important, même si parfois ça peut coincer. Eh bien, je dirais, c'est aussi notre job, et ça, moi, je trouve que ça serait vraiment un peu une révolution, mais pourquoi pas, puisqu'on est dans ce schéma-là, de les accompagner aussi dans leur prise de parole. La seule limite qu'on va voir à ça, bien évidemment, vous l'imaginez bien, c'est la partie politique au sens large, de notre mission en tant que fédération, puisqu'on a un contrat de délégation qui nous oblige aussi à certains cadres de parole. Mais il y a quand même aussi la liberté individuelle. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que tous ces athlètes qui, dans toute l'histoire, ont marqué leur époque parce qu'ils ont pris cette prise de parole, ils ont eu cette liberté. Alors parfois, ils l'ont payé cher, c'est ce que disait Arnaud. Mais je trouve que c'est là aussi où le rôle des fédérations, c'est de les accompagner à ce que, justement, ça ne leur coûte pas cher. Merci Isabelle. Tu veux ajouter un petit mot, peut-être, Johan, ou alors... Oui, même si la question a été posée aux fédérations... Peut-être dire aussi que les collectivités locales, moi je ne le fais pas parce qu'on n'a pas de sportifs de haut niveau, ça va venir bientôt, vous allez voir, bientôt. Mais les collectivités un peu à géométrie variable, mais lorsqu'il y a un sportif dans un département ou dans une région ou même dans une ville a des résultats inscrits, ce qu'on appelle sur les listes nationales, souvent il est aidé financièrement et en contrepartie, il a ce statut, en tout cas cette vocation à devenir ambassadeur du sport. J'en profite pour dire que c'est quelque chose que je connais pas, le sport de haut niveau. D'ailleurs, en matière de sport, moi, je suis croyant, non pratiquant. Meilleure mère du monde, comme ça, c'est ouais. Ouais. Ça sera meilleure mère de l'univers. Ouais. Mais j'ai été sauvé par un éducateur sportif aussi, c'est pour ça. Bon. Je voulais dire, fondamentalement, les sportifs, à part quelques-uns qui vivent très bien de leur sport, Arnaud, pas. Nos athlètes sont maltraités, fondamentalement. Et donc, on leur demande d'être sportivement au top, socialement performants. Les super-héros, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et vraiment, il y a une précarité du sportif de haut niveau qui est assez terrible et qui est cachée, malheureusement, par des réussites assez exceptionnelles, mais qui sont, en fait, souvent l'arbre qui cache la forêt. Donc, ça fait partie des sujets. Une nation sportive passe indéniablement, qu'on soit sportif de haut niveau, de hockey sur gazon ou de badminton, l'investissement pour performer dans son sport mérite un soutien, je ne vais pas parler de revenus universels ou autres, mais quand même, il y a des tâcherons du sport de haut niveau en France, quoi. Et ça, ce n'est pas juste. Et pour finir, je vais juste relier les deux interventions, parce qu'avant tout, ces athlètes-là, ils nous donnent du rêve, ils sont là pour nous inspirer, mais ils ne peuvent pas le faire dans n'importe quelle circonstance. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le temps de s'acculturer aux enjeux pour pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là? Je ne citerai pas un certain footballeur très connu, avec des millions et des millions de followers, qui soutient un dirigeant d'extrême droite dans son pays. Tu parles de Neymar? Donc, est-ce qu'on veut n'importe quelle prise de parole sur n'importe quel sujet? Évidemment, non. Ils sont là pour nous aider à construire le monde de demain. Ils ont une aura que nous, institutionnels, on n'aura jamais. Mais il faut qu'on puisse permettre, comme le disait Philippe, à ces athlètes de vivre décemment et dans le même temps d'avoir du temps pour se former à ces enjeux-là, d'être crédible sur ces thématiques-là. Et derrière, comme le disait Isabelle, on ne s'invente pas communicant. La prise de parole en public, moi j'ai des athlètes, parfois ils sont tétanisés à l'idée d'avoir un micro dans les mains. Alors qu'il y en a, ils rêvent d'avoir un micro dans les mains.
Donc le but, c'est aussi de les former à ça, mais reste la liberté de parole, et s'ils ont envie de défendre un dirigeant d'extrême droite, ben, ils peuvent le faire. Donc c'est une responsabilité collective de se dire, oui, si demain on veut que le sport change le monde, il faut que ça soit un sport d'équipe. Merci, et merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez poser directement avec les intervenants juste après.